Salut à tous, c'est Mélas de 4DDIG français, j'espère que vous avez la forme. Au fil du temps, le monde est devenu moderne grâce aux nouvelles technologies avancées. Par exemple, nous utilisons des piles de données, de fichiers, que ce soit pour la documentation, des souvenirs, etc. Et dans cette ère moderne, nous utilisons énormément de cartes SD pour sauvegarder nos fichiers et nos souvenirs. Et maintenant, que faire si votre carte SD n'est pas reconnue sur votre PC? Vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va voir le comment et du pourquoi et comment résoudre ce problème sur votre carte SD. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite. Avant toute chose, voici quelques symptômes d'une carte qui s'affiche plus sur votre PC. La première chose, c'est que votre carte SD n'est pas reconnue sur votre PC. Deuxièmement, que votre carte SD ne s'affiche pas sur vos appareils, que ce soit la caméra, smartphone, etc. Ou bien que votre appareil ou votre lecteur PC ne reconnaît pas la carte mémoire. Et c'est dû à plusieurs problèmes. Un problème de connexion, une carte mémoire verrouillée, des opérations inappropriées, un problème de lettre de lecture sur votre PC, pilote corrompu ou bien partition perdue, ou même un dommage physique. Mais vous inquiétez pas, on passe directement à différentes solutions qui vont vous permettre de réparer votre carte SD. La première solution avant d'essayer d'autres solutions plus conséquentes, c'est d'utiliser un autre port USB. Deuxième solution, c'est de vérifier si le problème ne vient pas de votre PC ou bien de votre lecteur carte mémoire. Troisième solution, c'est de désactiver directement la protection en écriture sur votre carte mémoire. La plupart des cartes mémoire ont ici un petit bouton pour activer et désactiver la protection en écriture. La quatrième solution, c'est de changer la lettre de lecture sur votre carte mémoire sur votre PC. Pour ce faire, appuyez sur la touche Windows plus R et sélectionnez tout simplement Gestion des disques. Là, on va descendre jusqu'en bas, on va chercher directement la carte SD. On va cliquer tout simplement sur le bouton droit « Modifier la lettre de lecture ». On va cliquer sur « Modifier » et on va choisir une autre. Par exemple, là, je vais choisir « M ». On va cliquer sur « OK » puis sur « Oui ». Et voilà, c'est tout simple. Cinquième solution, c'est directement d'utiliser une commande sur l'invite de commande qui va vous permettre de détecter et régler certains problèmes liés à votre carte mémoire. Pour ce faire, sur la barre de recherche, on va taper CMD, on va exécuter en tant qu'administrateur. Là, on va exécuter cette commande qui s'affiche à l'écran en remplaçant le G par votre lecteur de carte. Et on va exécuter la commande pour la réparation et l'analyse. Sixième solution, c'est de mettre à jour les pilotes de votre carte mémoire. Sur le clavier, on va taper directement Windows plus R et on va sélectionner tout simplement gestion du périphérique. Là, on va sélectionner lecteur du disque. On va sélectionner notre carte mémoire cible, bouton droit tout simplement. Puis on va cliquer sur « Mettre à jour le pilote en premier ». Puis on va cliquer « Recherche automatique » et vous attendez la mise à jour. La septième solution, c'est de scanner et vérifier et nettoyer les virus de votre carte mémoire. Vous cliquez bouton droit sur le lecteur, puis vous cliquez sur « Analyse avec votre antivirus » ou bien d'utiliser directement Windows Defender qui est fourni avec Windows. Et vous attendez l'analyse. Huitième et dernière solution, c'est malheureusement de formater votre carte mémoire. On appuie directement sur le bouton Windows plus R et on va sélectionner Gestion des disques. Là, on va chercher directement notre carte mémoire. Je vais descendre jusqu'en bas. Je vais la sélectionner, puis sur le bouton droit, tout simplement, on va cliquer sur Formater. On va sélectionner les informations, par exemple XFAT. Puis, on va taper directement sur OK pour lancer le formatage de la carte mémoire. Et si vous avez formaté ou supprimé toutes les données disponibles sur votre carte mémoire, je vais vous montrer grâce à un logiciel très puissant qui va vous permettre de récupérer n'importe quel type de fichier sur votre carte mémoire en quelques clics. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel TenorShare 4DDIG Data Recover. C'est un logiciel simple, intuitif, qui va vous permettre de récupérer simplement toutes vos données sur n'importe quel type de stockage, que ce soit carte mémoire, flash disk, disque dur externe, interne, etc. Voilà la page officielle 4DDIG Windows Data Recover. Il est disponible que ce soit Windows ou Mac. Vous pouvez récupérer n'importe quel type de fichier, plus de 2000 types de fichiers sur n'importe quel support de stockage. De toute façon, vous aurez toutes les informations sur le lien. Lien téléchargement est dans la description pour en savoir plus ou bien télécharger le logiciel. Et sur ce, on passe directement aux explications. Voici l'interface 4DDIG, simple et intuitive. On a toutes les options de récupération à droite et toutes les options de réparation à gauche. Pour notre cas, on va choisir et sélectionner notre carte mémoire qui est juste ici, USB, juste ici. Je vais cliquer sur « Analyser ». On va sélectionner le type de données. On va cliquer « Commencer l'analyse ». Ça va commencer automatiquement la récupération. Ça peut prendre un certain temps, tout dépend de la taille de vos fichiers. Voilà,
vous pouvez directement filtrer les fichiers, que ce soit photo, vidéo, et chaque dossier photo, par exemple, par catégorie, JPEG, RAW, etc. Et même vidéo, MP4, etc. Je vais sélectionner et prévisualiser quelques photos, puis je peux directement les sélectionner pour les récupérer. Je vais sélectionner par exemple quelques photos qui m'intéressent et vidéos, tout simplement en cochant directement ou bien directement en sélectionnant les dossiers. Puis tout simplement, on va cliquer sur « Récupérer ». Là, on va choisir un dossier de récupération, puis on va cliquer sur « OK ». Voilà, la réparation est terminée. Je vais cliquer sur « Afficher ». Là, je vais directement aller voir les photos par exemple. Je peux les sélectionner, les voir comme tu peux le voir. Je peux prévisualiser quelques photos comme tu peux le voir. Et là, je vais vérifier aussi la clarté et je vais vérifier aussi les vidéos. Comme tu peux le voir, les vidéos aussi fonctionnent assez bien. Si vous avez des photos qui fonctionnent mal ou bien des vidéos, vous avez une option directement sur 4DDIG. On va revenir juste en arrière, sélectionner réparation photo bien vidéo. Vous sélectionnez votre photo, vous cliquez sur réparation, puis vous exportez à nouveau votre fichier et ça marche parfaitement. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires et me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez la moindre suggestion, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.